gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus. C'est l'heure de la parole. L'heure où le Dieu des cieux parle à son peuple. C'est l'heure du respect envers celui qui parle du haut des cieux. Voilà pourquoi il dit, rejetant toute souillure, tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. L'amour ne doit pas manquer dans les cœurs d'un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. L'amour, c'est quelque chose qu'il faut très bien entretenir. Et l'amour dont il parle, c'est notre premier amour. Que Dieu vous bénisse. Voilà, nous continuons avec la remise à niveau. La remise à niveau consiste à commencer ou à aller au premier point, au premier rudiment de notre foi, car c'est ce que le monde a perdu aujourd'hui et c'est ce que l'Église a perdu aujourd'hui. Alléluia. Amen. Et à cause de cela, nous sommes en train de parler ou de travailler dans les 5 thèmes de la Bible. Nous avons déjà parlé du premier thème qui est le péché. Nous sortons de ce mal par la repentance et nous recevons le pardon de Dieu. C'est alors que le Seigneur nous donne le salut, qui est le deuxième thème de la Bible. Si Jésus est mort, il est mort pour nous donner le salut que nous avons défini comme étant l'action d'échapper à un mal, à un danger. L'action d'être sauvé. Et nous y avons vraiment, nous sommes attardés là-dessus. S'il y a un chrétien qui s'appelle chrétien mais qui n'a pas le salut, qui ne conserve pas le salut, il est comme un ramassis qui accompagne ceux-là qui sont sauvés. Les saluts. Et après les saluts, nous sommes en train de partager maintenant le troisième thème. Et nous avions dit ceci. Lorsque un homme rejette les saluts, comme la Bible dit, que comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Et j'avais dit que Dieu appelle le salut comme étant grand. Parmi les choses que le Dieu des cieux appelle grand, il y a le salut. C'est plus grand que tout ce qu'il y a sur la terre. Voilà pourquoi je vous ai dit que lui-même le Seigneur a dit lorsqu'il était sur terre, que sert-il à un homme de gagner le monde, même si quelqu'un gagnait le monde? Ça lui servira à quoi s'il perd son âme? Car le salut n'est pas dans ce que beaucoup de gens attendent aujourd'hui. Lorsqu'on parle du salut, c'est le salut de l'âme. Notre pasteur, le pasteur Pierre, dit que car vous obtiendrez le salut de vos âmes au prix de votre foi. Et
Et si la Bible dit, comment échapperez-vous en négligeant un si grand salut? Cette manière de parler nous témoigne que quelque part, on doit passer par quelque chose. Et personne n'échappera. C'est échapper au jugement de Dieu. Et la fois passée, nous avons parlé du jugement. Ensuite, nous avons montré que Jésus-Christ, notre Seigneur, nous prions, que nous cherchons aujourd'hui, que nous adorons, ne les connaissons pas seulement. Dans sa face, Jésus faisait des miracles, guérisseurs, qui nous délivre et qui fait du bien pour nous. C'est vrai, il l'est. Mais nous devons savoir aussi qu'il est juge. Et nous avons démontré noir sur blanc que c'est lui que Dieu a établi juge des morts et des vivants. Gloire au Seigneur Jésus. N'oublions jamais ça. Et dans le texte de 2 Corinthiens 5, nous avions dit, la Bible dit, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ pour être jugés de la manière dont nous avons entretenu la vie qu'il nous a donnée sur terre. Gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus. Amen. Aujourd'hui, je termine avec ce chapitre du jugement. Et j'ai intitulé cela comme ceci. C'est bien beau de parler du jugement, mais il nous faut savoir aussi ou connaître pourquoi le Seigneur juge ou jugera son peuple. En un mot, pourquoi les jugements? Pourquoi Dieu va juger son peuple? Un Dieu bon, miséricordieux. Vous voyez? Vous savez, lorsque Christ était sur terre, hein, il y a des foules et des foules qui étaient autour de lui. La Bible nous parle parfois des 5000, des 4000 hommes. Et cela, sans compter les femmes et les enfants, c'est-à-dire, frère, que c'était des foules et des foules qui l'entouraient. Il s'est précipité, il s'est bousculé pour recevoir les miracles, la guérison, matunzo, la délivrance. Fungulivu. Évidemment, il a chassé beaucoup de démons. La Bible elle-même le déclare. Et quelque part, la Bible dit aussi que le peuple s'est pressé pour écouter la parole. Très bien, il n'y a pas de problème. Mais, comment ce Dieu-là doit juger son peuple? Découvrez ça dans ces lignes de la parole de Dieu. Nous sommes dans l'évangile selon Jean, chapitre 12, verset 47 à 48. Nous commençons par Jean, chapitre 3, 16 à 21. Ensuite, le même évangile 12, 47 à 48. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, alléluia, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré le ténèbre à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité
vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Chapitre 12, le verset 47 à 48, nous continuons la lecture. Amen. Amen. Si quelqu'un entend mes paroles et ne le garde point, ce n'est pas par moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Amen. Bien-aimés, prêtez-moi vos oreilles. Que nos téléspectateurs nous prêtent aussi leurs oreilles. Nous disons que c'est une grâce de s'asseoir et d'écouter la parole de Dieu. Pourquoi Dieu jugera-t-il son peuple? Nous trouvons la réponse dans les textes que nous venons de lire. Et nous allons ajouter encore d'autres textes, 2-3. Je vous amène à l'origine de la mission de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Écoutez, la Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde, Dieu nous a aimés. Il dit qu'il nous a tant aimés. Et ce grand amour l'a poussé à nous donner son fils Jésus-Christ. Pourquoi l'a-t-il donné? La Bible dit qu'afin que quiconque croit en lui, ça veut dire sans exception, toutes les créatures terrestres, tout celui qui croit en lui ne périsse pas, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si Jésus est venu sur terre, il est un don de Dieu pour nous. Un don de Dieu pour nous, pour que par lui nous ayons la vie éternelle. La vie de l'homme ne s'arrête pas lorsqu'il meurt. Après la mort, de l'autre côté, l'homme continue la vie. Généralement, les hommes oublient cette vie de l'autre côté. C'est à cause de l'aveuglement de Satan. Les efforts de beaucoup de gens, c'est seulement dans cette vie. Et bon nombre pensent que c'est dans cette vie qu'ils attendent la bénédiction de Dieu. Vous n'avez peut-être pas tort. Mais la vraie vie, c'est celle qui est éternelle. Sur la terre, notre vie est limitée. La vie éternelle, c'est une vie illimitée. Là où on passera notre éternité. Voilà que Dieu, qui nous a tant aimés, nous donne Jésus-Christ, tout en nous demandant une seule chose, croire en lui. Voyez, lorsqu'on croit en lui, nous recevons la vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé son Fils sur la terre pour juger le monde, non. À quelqu'un me dira peut-être qu'il y a une contraste lorsque j'ai parlé et j'ai dit que Jésus-Christ est juge. Il n'y en a pas. Je vais vous le dire. Voyez, quand Dieu a envoyé Jésus, ce n'était pas pour venir juger. C'était pour que les hommes croient en lui. Alléluia. Amen. Je voudrais lancer un message dans cette salle et à tout celui qui me suivra par n'importe quelle voie. S'il y a quelqu'un sur cette terre qui n'a pas cru en Jésus, ou qu'il y a un autre Dieu en dehors de Jésus, il doit savoir,
que Jésus n'est pas venu les juger. Il sera jugé parce qu'il a refusé les dons gratuits de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que dans le monde où nous sommes, on rencontre maintenant plusieurs fois. Les gens vont s'appeler et dire, nous sommes de telle foi, nous sommes de telle foi, nous sommes de telle foi. Même ceux qui lisent la même parole que nous avons, vous le trouverez, exploiter la parole de Dieu, la Bible. Mais ils ont peut-être un Dieu qu'ils ont élevé au devant d'eux. Les autres interprètent que Jésus Jésus est le Dieu des Juifs. Ils ont aussi leur Dieu, leur Jésus. On a créé beaucoup de Jésus. Ce que je vous dis est vrai. Tout celui qui n'a pas cru en Jésus doit savoir que c'est la grande raison pour laquelle Dieu les jugera. Parce qu'il n'a pas cru au don que le Créateur lui a donné. Regardez, le Seigneur nous a donné la vie que nous avons ici. Nous ne sommes pas venus sur terre au hasard. Hein? Il y a un Créateur qui nous a créés et qui nous a jugés dignes de venir passer nos années de vie sur la terre. C'est le même Créateur encore qui nous donne son Fils Jésus afin que par lui nous soyons sauvés. Mais si quelqu'un rejette ou il prend ça à la légère, Dieu le jugera. Pourquoi? Parce que il a mépris le don du Seigneur, la grâce du Seigneur. Voyez. Amen. La deuxième chose, en fait, il y a beaucoup d'éléments pour lesquels Dieu jugera son peuple. La Bible dit que et ce jugement, c'est que la lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Dieu jugera les hommes parce que il a envoyé la lumière dans le monde. Mais les hommes ont préféré les ténèbres à la place de la lumière. Je crois que tout le monde est témoin. Il fait jour, n'est-ce pas? Après 19h, il fera nuit. Les deux temps. Pour le moment, on parle de la lumière. Voyez? Amen. Le deuxième temps, on parle de la nuit. Sur le plan spirituel, il y a la lumière et il y a aussi le ténèbre. Voyez? Qui aime les ténèbres? Dieu lui-même, dans son plan, lorsqu'il a permis qu'il y ait la nuit, c'est le temps où l'homme est inactif. C'est le temps où l'homme meurt. Il ne doit rien faire. On dirait que l'homme n'existe pas. En dehors de cela, qui prennent la nuit comme un temps où ils se réveillent aussi pour faire l'œuvre de leur maître qui agit dans la nuit. Ici, je parle de ceux-là qui fréquentent le monde spirituel des ténèbres. Je peux citer les sorciers, les occultistes, les magiciens. Leurs œuvres-là, on appelle ça les œuvres des ténèbres. Voyez. Mais Dieu, le Seigneur nous parle, nous dit que les hommes ont préféré les ténèbres à la place de la lumière. Dieu nous les révèle aussi par les œuvres. C'est par les œuvres que l'on peut aussi voir que quelqu'un préfère les œuvres des ténèbres. Vous voyez? En fait, les œuvres des ténèbres, je les explique par une chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut voir
la journée en train de faire l'impudicité et les hommes passent, on les voit. Si quelqu'un le fait, il a dépassé le niveau de l'homme, il est un animal comme un chien. Parce que les chiens font ça publiquement, on passe, on voit et on les voit. C'est un animal. Un homme normal se cache. Alléluia. Amen. Même pendant la nuit que Dieu a créé ici, les hommes font ça en secret. Ce sont parmi les œuvres des ténèbres. Au fait, les œuvres des ténèbres ne se limitent pas seulement par ce que je cite ici. Tout celui qui vit dans le péché vit dans les ténèbres. C'est ça sa préférence. Les œuvres de la lumière, on les fait publiquement. Un petit exemple. Est-ce que quelqu'un, il y a deux personnes, si mon frère Jean a un problème avec moi, ou s'il fait, il a fait ce qui n'est pas bon, je viens, je le vois, je dis: Jean, ce que tu as fait n'est pas bon, tu m'as blessé. Vous voyez, il y a lieu qu'on arrange, mais si je parle à côté, ça veut dire que je suis déjà dans les ténèbres, et ça, j'appelle déjà ça les œuvres des ténèbres. C'est ce qu'on fait en l'insu de autres. Alléluia. Amen. Les œuvres des ténèbres. Matendo ya giza. Il dit que les hommes ont préféré. Voyez-vous même le monde dans lequel nous vivons. Qu'est-ce que les hommes aiment le plus? Nini watu wanapendeleaka zaidi? Les hommes aiment le péché. Watu wanapenda kunywa zambi. Frère, unaona ndugu? Ce n'est pas des choses compliquées. À l'œil nu, si je vous demande de faire les calculs, je demande à chacun de faire les calculs. Je dis: juge, donne-moi la réponse. Quitte ici, va circule toute la ville. Vois comment les gens vivent. Vous allez me donner raison que ceux qui vivent dans le péché sont plus nombreux que ceux qui vivent dans la vérité. Prenez même les jours de fête tels que Noël, bonne année. 90% des gens sont des ivrognes. Et ils font ce qu'ils veulent. Regardez comment les hommes aiment, par exemple, les passions de la chair telles que le foot. Ils sont nombre de combien? Ça d'abord, ça. Même ici où nous parlons. Voyez, il y a des gens, je vous l'ai dit comme je l'ai dit toujours, mais beaucoup pensent aussi que je blague. Quelqu'un ici, il aime les équipes qui sont loin. Il en a fait même une passion. Il aime tellement et il aime cela plus que Dieu. Voyez, frère, il y a des gens qui ne manquent pas à regarder les matchs, mais qui sont et qui seront absents à l'église. Qui sont et qui seront absents à la prière. Est-ce que vous allez me dire que les hommes n'aiment pas les ténèbres plus que Dieu, plus que la lumière? Voyez ça? Que Dieu vous bénisse. Le Seigneur jugera. Le jugement de Dieu vient parce que les hommes ont la préférence des ténèbres que d'en avoir pour la lumière. Je continue. Il y a plusieurs éléments, je ne veux même pas compter ça. Celui quiconque fait le mal et la lumière et ne vient pas à la lumière, je vais vite passer. Maintenant, écoutez, au chapitre 12, verset 47, le Seigneur Jésus nous parle. Il dit que si quelqu'un entend mes paroles, alléluia, amen, et ne les garde point, ce n'est pas moi qui les juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui rejette et qui ne reçoit pas mes paroles
à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui les jugera au dernier jour. Alléluia. Amen. Est-ce que vous m'écoutez? Le jugement de Dieu est réel. Jésus lui-même dit, non, je ne suis pas venu juger. Mais Dieu a dit que c'est lui qui l'a établi juge des vivants et des morts. Mais ici, il nous révèle très bien. Il dit ceci. Je vous ai donné mes paroles. C'est lui qui écoute mes paroles. Malheur à celui qui écoute la parole de Dieu. Mieux vaut ne pas écouter la parole. Rester dans le monde. Vivre comme un païen. Mais si une seule fois tu as écouté la parole de Dieu, quel que soit l'endroit, quel que soit le moyen par lequel tu as écouté écouter la parole et que tu n'as pas mis en pratique cette parole-là, ne crois pas que, comme je disais la fois passée, on trouvera Jésus à un tribunal. Tu ne le verras même pas. D'abord, tu vas le voir comment, parce que d'abord tu es impur. Tu vis dans un état où tu ne peux même pas arriver là où il est. Voilà pourquoi il dit ceci. Ça veut dire, hein, le jugement dont nous parlons ici, il est déjà exécuté. Il est déjà exécuté. Comment ce jugement est déjà exécuté? Frère, nous écoutons la parole. Tu écoutes la parole. Si tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, alléluia, c'est cette même parole-là qui te juge déjà. Ça veut dire que tu es déjà jugé parce que tu n'as pas mis la parole, tu n'as pas pratiquer la parole de Dieu. Vous ne comprenez pas, frère, que les affaires de Dieu et principalement la parole de Dieu, frère, alors c'est une chose, on dirait une épée à double tranchant. Elle peut venir pour me réjouir, elle peut venir pour me délivrer, mais une fois que je marche contrairement à cette parole, elle me juge. Voilà pourquoi on dit que c'est une épée à double tranchant. Il est écrit que la parole de Dieu est efficace. Et elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant, capable de séparer l'âme et l'esprit, jointures et moelles. Quelqu'un va jouer avec la parole? Frère, tu l'écoutes seulement. Tu t'es dit, ah, ce n'est pas encore le moment. Je vais continuer sur mon bonhomme de chemin. Bon, ce n'est pas encore, je n'ai pas encore, comme beaucoup de gens me disent, que bon, s'il prêche comme ça, c'est parce que lui, il a déjà épuisé son quota. Je me rappelle une fois, le cadre de Sodimico m'avait dit ça. S'il y a un qui va m'écouter, il est témoin. J'ai prêché l'évangile dans les bus. On prenait, j'ai travaillé à Sodimico. On prenait les bus. Le vendredi, on vient ici. Le lundi matin, on rentre. Une fois qu'on était dans les bus, moi, je me tenais debout, j'ai proclamé la parole. Jusqu'à ce qu'ils m'ont combattu. Ils ont dit, en tout cas, on n'a plus le temps de parler. Ils montent dans... C'est d'ailleurs, il n'est qu'aspirant cadre, parce qu'il n'y a que les cadres et les aspirants qui avaient droit. Moi, je n'avais pas droit à ces bus. J'ai monté par la grâce de Dieu. Voyez, frère, on dit ceci, mon. S'il nous parle qu'il faut arrêter ça, il faut arrêter ça. Mais lui, il a déjà épuisé son quota. J'ai épuisé mon quota. Tu auras le sida. Parce que tu n'as pas écouté. Tu as épuisé le quota. Pas spécialement les sida. Tu sais, et vous savez tous, tout péché, tous les péchés, là-dedans, ce qu'il y a là-dedans, frère, c'est ce que Dieu interdit à l'homme parce que ça détruit l'homme. Voyez, je parle des livres, de l'impudicité, de
l'adultère, toutes ces choses-là. Ce n'est pas que on est contre frère. Il y a la mort. La mort physique. Il y a combien de gens qui sont morts à cause de ces péchés? Vous voyez? La parole de Dieu, tu l'écoutes, tu la jettes derrière, tu la niges, frère. En principe, tout celui qui écoute la parole, il doit rester sur cette parole, il doit courir pour mettre en pratique cette parole. Ça veut dire, si la parole te demande d'arrêter de faire telle chose, arrête. Si elle te demande de faire telle chose, fais-le. C'est ça, pratiquer la parole de Dieu. C'est elle qui nous conduit. En réalité, la vie enfant de Dieu est conduit par la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? Ici, il s'agit de l'incrédulité, de l'endurcissement et de la désobéissance. Bien-aimé, tu es chrétien. Veille bien sur ces éléments. L'incrédulité. Un incrédule, c'est celui qui n'obéit pas facilement. Tu as entendu la parole. Peut-être tu l'as entendu 5 fois, 6 fois. Mais tu restes dans la même position. Ça signifie, frère, que tu es un incrédule. Voyez, l'endurcissement, ça veut dire que quelqu'un a un cœur qui est comme une pierre. Même la parole, frère, ne te touche pas, ne te convertis pas. On dit toujours qu'il n'y a qu'une pierre, lorsque on la prépare, elle ne sera jamais cuite. Lorsqu'on la prépare. Alléluia. Vous m'entendez? Or, la Bible déclare que la parole de Dieu, elle est comme un marteau qui brise le roc. C'est pour dire, frère, même un homme dont on peut dire qu'il est dur, cet homme, il n'y a que la parole de Dieu qui peut l'échanger. S'il y a quelqu'un qui, même la parole, ne l'échange pas, cette personne-là, je vous l'ai dit, frère, est jugé. Les jugements de Dieu sont sur lui. Les jugements de Dieu. Laisse-moi vous dire la vérité. Il y a certaines choses dont beaucoup de gens facilement, obéissent facilement. Nous, chrétiens à l'église, on a vaincu l'adultère, on a vaincu l'impudicité, mais il y a des choses telles que les mensonges, voyez, et surtout tout ce qui est lié à l'argent. L'argent. Frère, posez une question. Il suffit qu'un prédicateur vienne ici. Il dit seulement ceci. Ceux qui donnent fidèlement la dîme se tiennent debout, vous allez voir. Ça ne demande pas une prophétie. Quelqu'un peut dire, Dieu m'a révélé. Que les gens sont incrédules, vous allez voir. Pas seulement ici, dans beaucoup d'églises. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Les hommes sont incrédules par rapport à l'argent. Frère, vous êtes là, n'est-ce pas? Vous êtes là, n'est-ce pas? Ceux qui ont fait des vœux et qui ne les ont pas accomplis. Or, la Bible dit que c'est un piège pour l'homme. Ils sont nombreux et même très nombreux. Alléluia. Voyez, je ferme cette parenthèse. Ce n'est pas ça notre thème. Notre thème est par rapport à la parole de Dieu. Parce que la Bible nous dit très clairement, celui qui entend mes paroles et qui ne les met pas en pratique est déjà jugé. Et qu'est-ce qui le juge? C'est la même parole à laquelle l'homme n'a pas obéi. Prenez garde à l'incrédulité. Prenez garde à la désobéissance et à l'endurcissement du cœur. Ce sont les matériaux que Satan utilise pour enfermer beaucoup de gens dans les ténèbres ou dans le jugement. Aujourd'hui, vous n'allez pas sentir. Mais le jour du jugement, alléluia, frère,
Peut-être, hein, vous ne verrez même pas Jésus. Va entendre seulement une parole. Hein? Dieu te rappelle qu'il t'a parlé. Une prédication où tu étais là présent. Dieu parle par la prédication. Lisons encore. Ecclésiaste, chapitre 12, versets 1 à 3. Un homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant le jour de ta jeunesse. Marche dans le voie de ton cœur et selon le regard de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant le jour de ta jeunesse, avant que le jour mauvais arrive et que les années s'approchent, où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Amen. Je sais que vous n'allez pas m'aimer aujourd'hui. Parce que je parle de jugement. Si le gouverneur Félix était ici, hein, il allait dire, pasteur, arrête un peu, arrête, hein, tu verras plus tard. C'est ça qu'il avait dit à Paul. Hein, parce que Paul discourait sur la justice, la tempérance et le jugement. Hein? Ce sont des prédications dont vous avez besoin. Vous n'avez pas besoin qu'on vous flatte seulement, on circule dans les choses de la terre ici. La Bible elle-même qui ne pense qu'aux choses de la terre. Hein? Pensez aux choses de la terre, frère. Hein? C'est quoi? Si tu ne cultives pas les champs, tu n'auras pas les maïs. Ce sont des choses déjà faites. Gloire au Seigneur. Mais écoutez, dit maintenant, jeune homme, Kijana. Alléluia. Amen. Mais ici, apa, la Bible parle du jeune homme. Biblia inasemea kijana. Jeune homme. Kijana. Jeune homme. Suja. Je peux prendre le temps ou l'âge de 1 à 60. 1 à 50 verses, tout ça. Mais attention, il y a aussi les gens de troisième âge qui n'aiment pas avoir leur âge, qui n'aiment pas grandir. Voilà pourquoi même beaucoup de gens cachent leur âge. Surtout les femmes. Vous cachez votre âge. Même vous les hommes, vous cachez votre âge. Ça veut dire que vous ne grandissez pas. Comme vous ne grandissez pas dans la tête, même spirituellement, Dieu vous appelle le jeune homme. Il s'agit aussi de celui qui a l'âge, mais qui fait les choses comme celui qui doit encore être éduqué. Tu as 50 ans, tu es encore ivrogne. Est-ce que tu vas conseiller ton enfant et dire non, toi, qui t'a demandé de boire? Ce n'est pas difficile. Il va te dire, papa, pourquoi alors toi tu bois? Et tu vas te fâcher pour dire que non, tu es impoli. Est-ce qu'il est impoli ou c'est la réalité? Voyez? Donc quand on parle du jeune homme, il s'agit de quelqu'un, quel que soit son âge, mais il réduit son âge des œuvres des gens qui ont un âge où ils ont encore besoin d'être conseillés. Généralement, quand on choisit les conseillers, c'est de voir les personnes qui ont l'expérience. Et souvent, ça a toujours été des gens âgés. Oh, voilà les sages. On cherche les gens qui ont l'expérience. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comme par exemple le pasteur Chumo sur LMTV. Comme vous le connaissez, Chumo, hein? Par rapport au mariage. Du Andoa. Il conseille bien. Vraiment, moi, je l'aime. Alléluia. Alléluia. Amen. Voyez, frère. Mais écoutez. Ce qui nous intéresse dans ce texte, ce n'est pas d'abord l'âge. Hein? Parce que quelqu'un va sortir ici. Oui, il dit, ah, on parle des jeunes hommes. Moi, je ne suis pas un jeune homme. J'ai 50 ans. J'ai 60 ans. Les choses que tu fais. Tu fais les choses de quelqu'un de 50 ans, de 60 ans.
Ou il y a même un enfant de 30 ans qui peut te conseiller. Gloire au Seigneur Jésus. Mais écoutez Dieu. Il dit, réjouis-toi. Écoutez, il dit comment? Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que dans tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bien-aimé, Dieu appellera en jugement tout celui qui, comme vous l'entendez, marche selon ses voies. Quand Dieu appelle son peuple, c'est pour qu'il marche dans ses voies. Ce n'est pas dans les voies de la personne. Car dans les voies de la personne, il y a la convoitise qui peut pousser l'homme à convoiter et à enfanter le péché. La voix de l'homme, quelque chose peut venir dans sa tête. Un problème peut venir dans sa tête. Il tombe dans la colère. Et notre tombe dans l'orgueil. Vous ne lisez pas ça dans les vies des gens. Hein? Vous lisez ça? Voyez. Ici, c'est-à-dire, je vais dire ici, qu'il y a deux choses dans l'homme. Il y a sa volonté. Et à côté, il y a la volonté de Dieu. Marcher dans sa voie ou ses voies, c'est marcher selon sa propre volonté. Or, quand Dieu nous appelle, la première chose qui doit mourir en nous, c'est notre propre volonté pour que nous fassions la volonté de Dieu. Jésus nous l'a appris dans la prière que tous aiment et même les petits enfants. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle se fait au ciel. La volonté, c'est la capacité de faire tout comme tu veux toi-même. Vous voyez, frère, si nous vivons la vie d'abstinence, je ne touche pas ça. Je ne bois pas ça. Je ne fume pas. C'est parce que nous sommes soumis à la volonté de Dieu. Marcher dans la volonté de Dieu, dans la voie de Dieu. Hein? Voyez, frère. Oh, quelqu'un d'autre marche dans cette voie. Grave encore, sans cela, dont la doctrine et l'église ne les ont pas éduqués, ne les ont pas révélés, afin qu'ils sachent que ces choses-là sont mauvaises. Oui, si ton église ne t'enseigne pas la vérité, cherche-la toi-même dans la parole de Dieu. La parole est au-dessus de toute église, au-dessus de toute forme humaine, de n'importe quelle institution. Si la parole me dit une chose, Paul l'a dit aux Galatiens, que si quelqu'un, même un ange, s'il vient vous annoncer un autre évangile, que celui que nous vous avons enseigné qu'il soit anathème. Il met un accent sur la parole de Dieu. La parole jugera les hommes. Mais Dieu dit, réjouis-toi. Marche selon la voie, les voies que tu aimes là. Selon la convoitise des yeux. Voilà, la convoitise des yeux, frère. Les hommes convoitent. Quand quelqu'un a acheté une chemise aujourd'hui, demain quand il voit une autre, il regarde encore, il dit, ah, elle est jolie. Après demain, il dit, surtout les mamans, ce sont des casse-têtes. Alléluia. Elles ne seront jamais rasées des habits. Jamais. Mais il y a aussi des papas comme ça. Frère, l'homme est tel qu'il est là, tel que je vous l'explique. Oui, la convoitise. Dieu parle de la convoitise des yeux et de l'orgueil de la vie. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. La chair que vous voyez ici, frère, c'est un élément que Satan peut utiliser et il te met dans les ténèbres, il te place sous le jugement de Dieu. Mais Dieu dit, marche.
marche. Fais ce que tu fais là. Mais sache que Dieu t'appellera en jugement. Dieu t'appellera en jugement. Les hommes ne savent pas que Dieu nous appellera en jugement. D'abord, il va t'appeler en jugement. Pourquoi? Vous savez, frère, que notre existence telle qu'elle existe là, j'existe par Dieu et je dois exister aussi pour Dieu. Le corps que Dieu nous a donné, le corps que tu as, je répète toujours tous les jours, est-ce que le corps que tu as t'appartient? Hein? Pour beaucoup de gens, ils pensent que le corps ici est à moi. Tandis que la Bible dit que glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Ce n'est pas à moi, ce n'est pas à moi. Le corps que j'ai ici, il est à Dieu. Mais celui à qui appartient le corps, il me dit ceci. Le corps n'est pas pour l'impudicité. Par exemple, c'est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 6. Il est pour le Seigneur. Mais toi, tu l'engages dans ce que tu veux là. Dis-moi un peu. Ça signifie quoi? Voyez? Donc toi, tu t'es réjoui? Tu t'es réjoui? Hein? Voilà pourquoi je vous ai toujours dit qu'on n'a même pas le droit de faire des incisions sur le corps, de les tatouer. Chez les femmes, j'ai dit, vous n'avez même pas le droit de couper les sourcils. C'est vous qui avez créé les sourcils. Ou c'est Dieu qui vous a donné les sourcils. Vous n'avez même pas le droit d'ajouter les cils. Ne fermez pas les yeux, regardez-moi. Vous voulez fermer les yeux? Hein? Alléluia. Amen. Vous n'avez pas le droit de faire n'importe quoi. Parce que ce n'est pas pour vous. C'est celui qui veut. Là, c'est Dieu lui-même qui a donné ce corps. Hein? Toutes les femmes au monde n'aiment pas être naturelles. Donc vous voulez être des hybrides. Les hybrides spirituels. Hein? Surtout, j'aime pas quand on doit marier un enfant. Donc c'est là que vous voyez que les gens sont fous. Ils pensent arranger la fille, mais pour moi j'ai dit, ils l'ont détruit. Les ongles foncés, comme un oiseau là, qui ne coupe pas les ongles. On va mettre les choses, la peinture partout ici, comme l'apôtre nous a dit un jour ici. Vous l'avez entendu, non? Une maman vient, sa petite fille le regarde. Il dit, qui t'a mis la peinture ici? Vous allez mettre la peinture, pourquoi? Le corps, c'est pour vous. Oui, utilisez-le comme pour vous. Mais vous trouverez le jugement. Ne dites pas amen. Alléluia. Amen. Le corps est pour le Seigneur. L'esprit est pour le Seigneur. Alors trouvez quelqu'un qui a la haine en lui. La haine va se loger où? La haine va se loger où? Tu détruis ton esprit. Vous voyez, frère? Un autre, vous trouvez les hommes, il est jaloux. Quand Dieu bénit un autre, je me réjouis. J'attends, je sais que mon temps viendra. Parce que je ne suis pas venu avec cette personne. Moi, je suis venu, ma date de naissance, moi-même. Même quelqu'un avec qui on est né le même jour. Frère, nous sommes différents. S'il est un peu bronzé comme Jean, moi je suis noir. Je crois que je suis plus beau que lui. Mais je vais devenir blanc comme lui. Dieu jugera les hommes. Vous prenez ça à la légère. Vous pensez que nous nous amusons. Moi, je vous ai toujours dit, frère, malheureusement pour vous, vous n'avez pas un passé, un petit. Mon âge ici. Allez dans les églises, les jeunes qui vont vous flatter. Dieu vous appellera en jugement. Et voilà,
Le Seigneur, Buana, comme il est toujours conseiller, mshauri, il dit ceci, hivi, souviens-toi kumbuka de ton Créateur wako pendant les jours de ta jeunesse. Ya ujana wako. Souviens-toi de ton Créateur. Wako. Tu vas te souvenir de lui comment? Quand je regarde à sa parole, je dis que non, Dieu a dit, Mungu alisema, je voulais faire quelque chose. Kitu, je dis, j'arrête. Nasema, je ne le fais pas na à cause de mon Créateur. Ya et wako si la Bible dit, viens toi de ton Créateur, ça veut dire quoi? Les peuples oublient Dieu. Ils oublient Dieu. Vous savez ce que dit la parole de Dieu? Malheur au peuple qui oublie Dieu. C'est une malédiction lorsque un homme oublie Dieu. Dieu doit être dans ma tête. Je dors avec Dieu, je me réveille avec Dieu, je marche avec Dieu, je travaille avec Dieu, je fais tout avec le Seigneur. Vous oubliez Dieu. Les jugements. Voyez pourquoi Dieu jugera son peuple. Voyez, il jugera son peuple. Je vous choque. En tout cas, que ça ne m'engage que moi. La génération qui remplira l'enfer, c'est la génération actuelle. Il y a des débordements incroyables. Même dans les affaires de Dieu, il n'y a pas le respect de Dieu, le respect de la parole. Les hommes ont changé, les hommes sont transformés, oui, avec raison. Parce que Satan a travaillé. Et ces derniers temps, il travaille, il sait qu'il lui reste peu de temps. Même toi qui m'écoutes ici, si tu blagues, Satan va te renverser. Je te dis la vérité. Et malheur à celui qu'il va renverser à quelques minutes de sa mort, à quelques minutes de l'enlèvement. Voyez mes frères, mes soeurs. Alléluia. Amen. Et Satan travaille. C'est la génération la plus légère. C'est la génération où les hommes aiment les matériels au lieu d'aimer les spirituels. Tu aimes les matériels. Aime les spirituels, frère. Hein? Les spirituels. Alléluia. Amen. La vie que Dieu nous donne, frère. Pendant que tu vis ici, pendant que nous vivons, frère, 10 minutes que Dieu me donne, 1 minute, 10 minutes que Dieu me donne à vivre, je dois savoir ce que je fais dans cette minute-là. Hier, j'étais en train de réfléchir sur ma vie. Je me suis dit, frère, le Seigneur lui apparaît à l'œil nu, comme ça. Et quand le Seigneur lui est apparu, il avait une couronne à la main. Il dit, au lieu de regarder le Seigneur, j'ai regardé la couronne. Il dit, elle était vraiment superbe. Il dit, je me disais, qu'est-ce que ça, cette couronne? Et le Seigneur dit, tu regardes, tu vois cette couronne. Il dit, c'est la couronne. Alléluia. Amen. C'est la couronne des gagneurs d'âme. Des gagneurs d'âme. Donc je me disais hier, frère, que qu'est-ce que je dois chercher le plus? Moi, je dois chercher à gagner les âmes. Nous avons dans nos familles des gens qui sont méchants. On ne pense même pas les gagner. On ne pense même pas les prendre et dire, viens, allons à l'église, écoutons la parole qui peut nous changer, nous transformer. On est là avec le salut seul. Terminons par ce texte Ecclésiaste 12, 14 à 16, deux versets seulement. Du reste, mon fils, écoute. Tire instruction de ces choses. On ne finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres et beaucoup d'études et une fatigue pour le corps. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Sans y dire. Alléluia. Amen. Mon fils,
Ma fille, tire instruction de ces choses. L'église, c'est l'école de Dieu. C'est le plus grand centre, plus que toutes les universités qui existent. Les universités ne vous donneront jamais la vie. Ça peut vous donner le matériel, mais l'église vous donne la vie. Le matériel, tout finira. Mais la vie éternelle, vous ne la trouverez jamais ailleurs. Tire instruction de ce que je t'annonce. Alléluia. Amen. Vous entendez? Nasikia. Mais on ne finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres. Et beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. On peut tout faire, beaucoup d'études. La Bible dit que c'est une fatigue pour le corps. Frère, même dans le Seigneur, quelqu'un, j'ai vu des gens, il dit, un papa qui était déjà fait, il dit, je vais encore étudier. Dieu d'ailleurs, on ne l'étudie pas. Dieu se révèle. Tire instruction de ces choses. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu. Alléluia. Et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Crains Dieu. Crains Dieu. Le jugement de Dieu est réel. Quand Dieu parle, voyez comment j'ai commencé mon discours. Dieu m'a parlé, je ne mens pas. L'amour, regarde le niveau de ton amour. Est-ce que tu aimes tout le monde? Hein? Comme tu t'aimes toi-même. Est-ce que tu aimes Dieu? Dieu, tu l'aimes vraiment? Hein? Ou tu l'aimes pourquoi? Quelqu'un va l'aimer seulement, non, pas parce qu'il m'a guéri, il m'a guéri. On l'aime parce qu'il est notre Père. On l'aime parce qu'il est notre vie. La deuxième chose, je vous ai dit, l'unité. Est-ce qu'en toi, il y a l'esprit d'unité ou tu es divisé toi-même? L'unité doit être dans les familles, dans le couple. L'unité doit être même au travail. Je dois toujours voir l'autre comme étant au-dessus de moi-même. Même si tu es chef quelque part. Mais dans le Seigneur, la Bible dit que l'humilité doit nous faire voir les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Je vous ai parlé de la paix qu'il faut même rechercher avec tous et non pas j'ai la paix avec Jean, je n'ai pas la paix avec toi. Et je vous ai parlé de la sanctification. Sans ces choses, personne ne verra le Seigneur. La fin du discours, mon frère et ma soeur, la Bible dit crains Dieu et observe les commandements. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement. Toute œuvre, tout passera en jugement. Dieu te dira, j'ai donné la santé. Il y a quelqu'un qui était malade. Toi, avec la santé, tu allais faire des bêtises parce que je t'ai donné la santé. Dieu te posera beaucoup de questions. Voyez, toi ici, je t'ai même enseigné. Mais il y a quelqu'un qui était décédé qui n'a même pas reçu l'enseignement. Toi, je t'ai enseigné, mais tu n'as pas obéi. Pourquoi? Alléluia. Amen. Voyez, frère. Dieu amènera les hommes en jugement. Soit pour le bien, soit pour le mal qu'ils ont fait sur la terre. Mais le jugement de Dieu pour le bien, c'est la couronne que tu recevras. Le jugement de Dieu pour le mal, c'est la honte que tu recevras. Bien-aimé, on ne vit pas en désordre dans ce monde. On ne vit pas hors la parole de Dieu. La parole de Dieu est vie. Jeune homme, les petits et les petites. Écoutez, craignez Dieu. Tu chantes, mais entre temps, tu caches quelque chose là. Une ruse. Tu caches les hommes ou tu caches Dieu? Hein? Je vais dire à quelqu'un, si tu caches, au lieu de cacher, tu sais, surtout vous qui servez Dieu, descends seulement, sans que Dieu vienne parler, parce que sera la honte. Nous qui prêchons, vous qui servons Dieu, prenez garde. Et vous tous qui écoutez, prenez garde. Écoutez la parole et ne pas la pratiquer. C'est le grand jugement de Dieu. Dieu amènera les hommes en jugement. Parce qu'il vous a aimé. Parce qu'il vous a témoigné son amour. Parce qu'il a fait tout ce qu'il pouvait faire. Pour que vous changez, vous vous convertissez. Mais vous lui avez tourné le dos. Frère, craignons Dieu. Que Dieu vous bénisse. Acclamons la parole du Seigneur. Available when the saints have gone. Mercy.
Repentance is now what it says.